faire le cube. Bon. Ah bah voilà, parfait. Tu fais les autres? Alice, est-ce qu'Alice est sur le paddock? Est-ce que Pauline est sur le paddock? Quelle heure est-il, madame Persil? 11h05, madame. je viens de voir ça. Oh, regarde, ça sert à ça. Ça sert à éviter que ça écrit. Ou alors, sinon j'ai pris, tu sais, le bleu que tu mettais d'habitude. Tu préfères mettre lequel? Tu choisis. Tu veux mettre lui? Tiens, vas-y. Allez, quand même. Allez, là. Ça avance un peu? Non, ça va. Encore un peu. Voilà, nickel. Ok. La classe. Avec son chignon et tout quoi. Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est en concours avec Mini Léa. Elle fait son tout premier concours avec Soleil. Donc on est parti pour la détente de notre prépa 40, la recours et le parcours. On y va! Allez, tu le fais marcher sur mon cercle. Tu prends tes rênes un peu plus courtes, surtout tu penses beaucoup à ça, Léa. Hein. Toujours tes rênes courtes, ok? Là, vu que j'ai mis les trucs pour les étriers, t'as même plus besoin de penser à tes pieds. T'appuies fort sur tes pieds, t'as plus besoin de penser à où est-ce qu'ils sont posés. Et par contre, tu penses bien à tes rênes, d'accord? Allez, on le fait marcher le plus grand pas possible. Attends. Attends, faut qu'il marche. C'est bien ça. Et regarde où tu vas. Pense que quand on va être après avec tout le monde, il va y avoir plein de gens dans la carrière, d'accord? Surtout, tu regardes bien où tu te mets. Tu vas trotter. Il faut vraiment que tu fasses très attention, d'accord? Après, Soleil, il est gentil avec les autres, d'accord? Par contre, tu vois, celui qui a le nœud papillon rouge dans la queue là-bas, ça veut dire que le cheval, il peut donner des coups de pied aux autres. Donc tu l'évites, tu passes loin, très loin de lui. Ok? Le Soleil, il est concentré, il est calme. On attend de voir dans combien de temps tu vas passer. Surtout, là du coup tu découvres. Tu vois les obstacles, tu vois comment les gens ils vont les sauter. Donc normalement faut pas passer ni devant les obstacles parce que tu pourrais gêner quelqu'un qui veut aller sauter, ni derrière parce que t'imagines la personne elle saute, elle te voit pas, elle arrive dans toi. Donc faut toujours passer très loin des obstacles et toujours bien vérifier qu'il y a personne qui va sauter. Ok? Donc là ce que tu vas faire c'est qu'on va travailler ici. J'imagine qu'il y a une petite carrière là, tu vois, à peu près jusqu'à la lettre S qui est là. Tu vois le S? Là, j'imagine qu'ici il y a une ligne droite, d'accord? Et ça te fait une carrière là. J'imagine que c'est la carrière de la montée. Ok? Tu fais du mur ici. C'est comme à la maison, d'accord? Tu mets pas la pression, ok? Mais c'est la même chose qu'à la maison. À la maison, tu arrives à te fâcher et à tourner. Bah là, c'est pareil. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a Jean là-bas. Ok? Là, tu te fâches. Comme à la maison quand tu veux les coller sans beaucoup. Et ben non. Ici, tu sais qu'il va faire l'andouille. Et ben tu anticipes et tu sais qu'il va le faire. Donc hop, un petit coup de cravache, on continue de trotter. Mais tu seras sur la carrière, il faut falloir qu'il saute tous les obstacles. Hein. Mais est-ce qu'on fait au galop? Tu pourras faire au trot. Et si tu le sens, après, tu pourras aller au galop. C'est pour ça, là, on fait du trot. Mais faut que tu te fâches. Tu sais qu'on a eu des soleils. Si tu te fâches pas dès le début, après, il va continuer à faire des bêtises. Allez, vas-y. Et prends tes rênes vraiment courtes, comme ça au moins tu sais que si elles glissent, t'as toujours les rênes courtes. Vas-y, hop, on se fâche. Le petit coup de cravache sur l'épaule, là on lui dit hey, Coco, on m'écoute. Là tu te comptes. Et on refait. Tu continues à faire. Voilà. Il a interdiction d'aller partager. thing for sure. I've never been so close before. It's one way or the other, no way in between. I ain't getting any younger, and you will stay forever a dream. You were truly my lover, boire un peu dans son truc. On a de l'eau, on a plein de trucs. Ça a été? T'as bien aimé? Est-ce que t'as réussi à retenir le parcours toute seule ou heureusement que je te disais les obstacles? Il y en a un où t'étais un peu perdu, je crois. C'était lequel? Ah oui, quand il fallait faire demi-tour. Ouais. Ouais. Non, ouais, t'as bien retenu. Non, franchement, en plus, d'habitude, des fois, les recos, c'est 30 minutes. Là, ils ont laissé que 15 minutes. Ça fait serré quand même pour ouais. Les petits, pour retenir en 15 minutes. Enfin, faut... Sans faute, quoi. Mais avec moi, j'ai pas de sans faute. J'ai le seum. Tu voudras que je cours avec toi, Léa? Peut-être que tu me sens sans faute. Je vais le laisser broder un peu. Tu peux descendre, hein, Léa, si tu veux. Attends, attends, je vais prendre une photo... Avec toi, on lui met là. Avec toi, Léa.